Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois à la mission Montebourg. 4 jours après 40 ans, les compagnies Able et Dog sont chargées de sécuriser la route de Cherbourg et de défendre un combat de troupes et de ravitaillement attendu pour l'assaut final contre Cherbourg. La première armée américaine marche vers le nord du Cotentin. Notre nouvel objectif est donc de sécuriser la voie de ravitaillement vers Cherbourg. L'opération a été baptisée Red Ball Express. Les compagnies Able et Dog suivront cette route aussi loin que possible pour la sécuriser. Durant la progression, nos flancs seront exposés. Le secteur est truffé de cours murés et de haies. Attendez-vous à des embuscades. Donc voilà, nous devons sécuriser justement une route pour nous amener aux villes, à la ville de Cherbourg. Hein. Cette ville, étant donné que c'était la seule ville en port profond pour le débarquement, aurait dû être justement un objectif du débarquement allié, mais malheureusement, bon, énormément d'objectifs du premier jour n'ont pas été respectés à cause d'une résistance beaucoup plus importante que prévu. Mais bon. Au final, les Alliés ont quand même réussi à prendre Cherbourg. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est un bon jeu, ça, parce qu'au moins, il nous honore au moins un peu de ce qui s'est passé. Et on a une pensée du sang pour toutes ces personnes qui se sont sacrifiées durant la Seconde Guerre mondiale. Terminé! Bordel, je leur avais dit de pas trop avancer. Bon, très bien d'aller les tirer de là. Doc, ici Able. Tenez bon, Bishop, on arrive. Préparez-vous, les gars, on y va! Écoutez, la Dog est tombée dans une embuscade. Bishop demande notre aide. Les survivants essuient des tirs nourris, on doit les tirer de là. Rassemblez un groupe de combat et allez-y. La Dog ne tiendra pas sans nous. La Dog ne tiendra pas sans nous. Les ennemis détruits. Allez, on descend. Écoutez bien, les gars. Restez baissés. Avant justement de sécuriser, justement, d'aller secourir nos amis, vous allez devoir sécuriser justement les flancs. Les flancs, étant donné qu'on a énormément de blindés. Sur les flancs, il y a énormément de canons de tueur. Un canon de tueur sur un flanc de blindé fait extrêmement mal. Avant de se jeter dans un suicidaire, à cause de ces canons, nous allons utiliser justement tous ces petits canons de tueur. Unité ennemie détruite. Et grâce à ce véhicule, j'ai amélioré avec un canon anti-aérien, justement le rendre très efficace contre l'infanterie. Il faut savoir que durant tout le temps du débarquement, le gros problème qu'on va avoir les alliés, c'est qu'ils vont devoir justement de combattre de 1 en 1. Les Allemands sont extrêmement bien retranchés et ça donnera une très bonne position défensive, ce qui désavantagera justement les Allemands. Et ça, ça va donner vraiment beaucoup de figure tordue justement aux troupes. Je crois d'ailleurs la vie, ce qui est à beaucoup de personnes. Mais bon, c'est la guerre, c'est avant le débarquement, il s'arrête qu'il y a également des sacrifices, et voilà. Allez,
Unité ennemie détruite. Voilà, là vous avez plutôt bien. Maintenant vous pouvez commencer à sécuriser les dépôts intéressants, c'est-à-dire 2 munitions. Unité ennemie détruite. Allez, en avant. Allié se trouve ici. Établissez une base d'opération et demandez des renforts. Très bien, Hebel. Le QG nous demande de sécuriser la route de Cherbourg. Ça ne devrait pas être compliqué. Au moins une de ces deux routes doit être sécurisée. Il faudra donc avancer et établir des défenses pour couvrir le Red Bull Express. Utilisez des soldats du génie pour développer la base et demander d'autres renforts. Sans cette route, le Red Bull Express n'ira nulle part. Allez, au boulot. Il faut sécuriser ce carrefour. On y va. Je leur promets tout que vous conseillez. Établissez une caserne peut-être par là-haut. Ça permettra d'avoir une petite position défensive, justement. Et économiser surtout pour récupérer Red. Red, l'avantage que ça permet, c'est de déployer désormais capturer le secteur. Et créer un jeep égale pas pour capturer le secteur. Ce qui est génial. Cette guerre va pas se gagner toute seule. Tenez bon, on arrive. On attend vos ordres. On roule. On avance pour prendre les munitions. Voilà, vous réparez ce que vous avez besoin de réparer. On se fait tirer dessus. Plus vite, allez. Allez, roule aussi vite que tu peux. Tuez ces enfoirés! En avant! Préparation terminée, chef! En avant! Mettons les voiles! Ici le crabe! Voilà, premier véhicule réparé, vous réparez suivant. Notre véhicule est endommagé! Fusil, prêt! Levez-vous le cul! Vous sécurisez les dépôts de munitions. Décolle. On a terminé. Fonce dans le tas. Oui, on s'occupe de la cible. Bien, on y va. Un attaque. Ennemi
détruit. C'était une 16 sur 5. Et on l'a eu. Faut filer d'ici. On est dans la merde. Quelle est notre destination? Où doit-on aller? Allons-y. C'est parti. Mettez les gars, des pots de carton. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Cette mission va être, je vais pas mentir, moi je l'aime pas trop. Parce que on ressent vraiment que c'est vraiment une... L'un de nos secteurs sécurisés est attaqué. Qu'on est dans nos flancs sous sans pastoriser parce qu'une troupe ennemie arrive un peu sur tous les flancs, on peut attaquer. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment ça qui est pas mal, c'est qu'ils essaient de vraiment retranscrire ce qui s'est vraiment passé dans le jeu. Arme très efficace pour tout ce qui est chimie et moteur. Les soldats du génie se renforcent. Donc nous avons établi notre petite base, hein, comme dans tous les petits jeux. Un petit, c'est un euphémisme évidemment, hein. C'est quand même une belle petite base quand même. Hein. On va établir. C'est parti. Quel est le plan? Allez. On va commencer sûrement à faire une partie parce que elle commence à être quand même plutôt longue. Je vais sûrement faire des missions de 20-30 minutes à chaque fois les parties de mission. Comme ça, ça évitera que ça soit trop long. Ah, ça vous permettra aussi de... Maintenant, vous prenez votre temps, vous sécurisez, vous avez le temps. Hein. Dans ce jeu-là, faut vraiment vous dire que vous avez toujours le temps. Faut pas aller tête baissée, on fonce, non, non. Prenez votre temps. Il est très rare que les missions. Les missions doivent être faites rapidement. Hein. À part la première mission, bon, ouais, vraiment courte. Ouais, je vous présente le Pac Panzer au Switch, c'est avec le Pac Panzer au Switch, je vais sur internet, c'est vraiment il essaye de faire totalement. C'est construit, on bouge. Le avantage c'est que c'était assez... ça possédait une très bonne puissance de feu, je pense, des CA, des avions, mais bon, c'était extrêmement fragile au sol, donc voilà. On gagnera pas cette guerre en restant ici. Quand je pense que j'ai fait tout ce chemin pour faire ça. Mais il faut quand même se dire que les Allemands, ils étaient quand même, niveau technologique, ils étaient quand même très bons pour concevoir les tirs. L'exemple peut-être le plus emblématique, c'est le Tigre Royal. Donc, certains connaissent ou pas. Après, il y a Panthère. Bon, Panthère a plutôt été inspiré par, par la conception russe, mais bon. Avec Panthère, il y a... 5 sur 5. Ah, j'ai plus le nom. C'est parti, on met les gaz. Le tigre, ouais. Le tigre et Panzer 4, bon. Merde, qu'on rate, les lacets sont dénoués. On est mal ici. Les lignes de Zaylo,
Faites chauffer le moteur, on est en route. Blindés en position, en avant. Ok les gars, c'est l'heure. Restez baissés. Bon là moi je vous conseille de prendre ceci. Ça vous permet ici de produire pas rapidement vos chars, ici ça permet de les réparer en fait. Une capacité. Ou après en place. Ici, le dépôt de matériel qui vous est indispensable si vous voulez construire des véhicules blindés. Par la suite, elle vous posera du sang de problème. Pour apprendre, pas de solution, faut envoyer les chars. Ennemi dans le complexe. La base est là. L'ennemi nous calme. Allez, allez, bordel. Mission des tirs. Les éléments de la division Panzerlehr se servent de ce complexe pour attaquer la route. Détruisez leur installation de production pour les priver de renfort. Voilà. Voici arrivé des Panzer 4. Panzer 4, le char parmi les plus utilisés justement de la Seconde Guerre mondiale hein, par les Allemands. Qui regroupe tout ce qu'on a besoin justement de char. Bonne vitesse, bonne résistance, bonne puissance de feu. Pour époque, tout ça. À époque, le char c'était vraiment une révolution. Bon, maintenant. Si on regarde avec la fin de la guerre, on voit que le char est quand même complètement obsolète. Ici le chef d'équipage, en attente. On écoute les gars. Là, vous allez faire un entrepôt de chars. Ici la cavalerie motorisée. Unité ennemie détruite. Préparez ces fusils. Balancez des sticky bombs. Nous sommes prêts. On met le bas. Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. On est prêts à mettre les gaz. C'est parti. C'est un canon qui a été justement conçu suite au débarquement. C'est un canon capable de perforer les véhicules avec un balaf correctement, avec un planter ou un matin. Unité ennemie.
mec qui se rend, le problème qu'il y a eu aussi avec cette annonce. C'est que c'était une résistance après du char, une résistance du char. Parce que le canon demande en plus de gaz, ils ont diminué le blindage. Et c'est qu'à la fin de la guerre qu'ils vont réussir à trouver un peu un compromis entre les deux. Ils vont réussir à faire un char peu résistant avec un peu plus de succès. Unité ennemie détruite. Bien compris. D'ailleurs, on peut aussi se rendre compte que c'est toujours avec les guerres qu'il y a eu toujours les plus grandes innovations. Hein. Donc là, tout ce qui est système de sonar, de radar, et aujourd'hui, on peut voir que c'est vraiment important. Et le gros canon 76, c'est que ça peut être bien quand même, comme je vous ai dit. Même le bandage frontal bien situé, vous pouvez arriver à le perforer. C'est bon, cible alignée, inspection achevée. Ainsi, nous avançons tranquillement à notre rythme. Enfin. Et je vais vous laisser là pour cette première partie de la vidéo. On se reprend dans quelques secondes pour la deuxième partie. Donc, à tout de suite.